dans cette vidéo, eh bien, on va voir comment jouer River Flow in You au piano. Alors, vous allez avoir deux versions. Une version pour les débutants avec une main gauche plutôt simple qui va uniquement jouer la note de basse qui est inscrite par les accords hein, sur la partition, comme ceci donc. On va voir quand jouer cette note de basse par rapport à la mélodie. Et puis après, vous aurez une version pour les personnes un peu plus avancées dans laquelle nous verrons comment jouer à la main gauche un accompagnement en arpège avec les accords qui sont indiqués sur notre partition. Donc, comme ceci. Évidemment, vous pouvez prendre l'initiative de, par exemple, simplement jouer les accords. Ça donne des difficultés intermédiaires. Vous pouvez aussi faire vos propres lignes rythmiques à la main gauche hein, et composer vos lignes rythmiques à la main gauche avec les accords qui vous sont proposés. En tout cas, nous, on va voir ces deux versions. Ça devrait satisfaire le plus de monde possible. Pour pouvoir bien travailler avec cette vidéo, en description, vous pourrez télécharger une partition vierge sur laquelle eh bien, vous pourrez recopier la partition qui s'affiche à l'écran, recopier la clé de sol, recopier les accords. Comme ça, vous aurez un support nickel pour bien progresser. Ensuite, vous aurez un aide-mémoire avec les quatre accords utilisés dans le morceau. Et puis, avec cela, vous avez une formation offerte pour pouvoir commencer à bien apprendre eh bien, les partitions sous cette forme, sous la forme lead sheet, qu'on appelle lead sheet, que j'appelle partition guidée. C'est une forme avec donc la clé de sol pour la main droite, les accords au-dessus pour la main gauche. La clé de fa est substituée par des accords, ce qui rend le support de lecture beaucoup plus accessibles en réalité, ce sont des partitions très sérieuses, hein. Ce n'est pas une sous-partition, bien sûr. Allez, on commence le tutoriel. Je vous ai mis les doigtés, bien évidemment. On fait le point sur les doigts, 1, 2, 3, 4, 5, ok? On va commencer avec le doigt numéro 5 sur la note de Do, ici, et avec le La, avec le petit doigt, comme ceci à la main gauche, et le La avec le pouce. À notre main gauche, elle va jouer une double basse. Quand on va avoir un accord de La mineur indiqué, et bien on va jouer uniquement le La, et puis on va le jouer doublé comme ça, avec petit doigt et pouce. Quand le Fa va arriver, on va jouer le Fa avec le doigt, le Fa avec le pouce, vous avez le concept. Et on a ces quatre basses qui vont se répéter en boucle. Alors on va voir quand les placer exactement, mais déjà, il faut avoir ce mouvement que l'on va isoler et que l'on va placer par la suite sur notre morceau. C'est un peu comme en sport, hein, quand on isole un mouvement pour ensuite le placer pendant le match. On est là. Et on essaye de faire tourner ça en boucle rapidement et de la prendre par cœur. Vous l'aurez compris, on est sur, en réalité, les quatre accords magiques. 6, 4, 1, 5. 6, 4, 1, 5. À la fin de la vidéo, on fera le point harmonique sur ce que représentent ces accords. Les accords, en réalité, ils se placent sur les temps numéro... Enfin, la note de basse, les accords, quoi, vont se placer sur le temps numéro 1 et sur le temps numéro 3. Il y a 4 temps par mesure. Donc, nous avons... Premier temps, on a la note de Do à la mélodie et on va jouer notre note de La à la main gauche. Ok, on va faire ce mouvement à la main droite. Une fois qu'on a fait ce motif, on va aller sur la note de Fa. On voit que le Do, il est lié, hein, donc on ne va pas rejouer le Do. Donc on va à la main droite en mélodie. Donc on joue la note de Fa à la basse. Et après, on arrive sur le motif. Donc, on va avoir ça. Je refais. Je change de basse. Ensuite, on arrive. Mesure 2. Ça va tomber sur le premier temps. Et là, ça va tomber, voilà, pile poil sur la mélodie, quoi. Donc, on a le Do qui tombe sous le Mi. Et on a le Sol qui tombe sous le Ré. OK ? La basse de Sol qui tombe sous la mélodie Ré. Très bien. Après, on va avoir ce petit mouvement de doigt. Le pouce va jouer le Do.
On va prendre appui sur le pouce à la main droite. On va faire passer, pouf, notre index ici. Et pour après récupérer le doigt numéro 3, ici. Boum. Le mouvement. Ça va nous permettre avec le pouce, mesure 3, à la mélodie, d'aller récupérer le sol. Un peu grave. C'est un peu grave, mais bon. Normalement, le morceau est en la, il y a 3 dièses à la clé. Moi, je vous l'ai remis en do, et ça fait qu'il n'y a pas de dièse et pas de bémol à la clé. Néanmoins, la mélodie descend soit un peu trop bas, soit un peu trop haut. Mais c'est quand même plus simple à aborder le fait qu'il n'y ait pas de dièse ou de bémol à la clé. On va prendre, mesure 3, la note de la à la basse un peu plus grave, que l'on va jouer en même temps que le do, comme ceci. On espace bien, voilà. À mon gauche, normal, quoi. On fait le motif indiqué. Quand je dis motif, c'est la mélodie, quoi. Le fa, l'accord de fa, la basse de fa arrive avec note de mi à la main droite. On va le jouer en même temps. Après, notre doigt numéro 4 se transforme en doigt numéro 3. 3, 4, 5. Et après, mesure 4. Note de do à la basse. Note de sol à la mélodie. Après, ça descend, fa, mi, ré, à la mélodie, fa, mi, ré. Et puis, sous la mélodie, note de ré, on va avoir la basse, sol, doublé. OK ? Mesure 5, on reprend exactement le même motif. On a juste rajouté une espèce de petite appoggiature. Bon, c'est pas vraiment une appoggiature, parce que les notes ne sont pas conjointes, mais on a ce petit do, mi, sol. Au lieu de commencer tout de suite sur do, on va faire un petit avec le doigt numéro 1, le doigt numéro 2. Ok. Voilà, c'est pas grand chose. Et la note de basse, donc la note de la, va bien se jouer sous la mélodie, note de mélodie do. Et pas sous le petit do mi du début, mais sur le do aigu. Ok. Et après, c'est la même chose. Pour le coup, c'est une appoggiature diatonique. Mesure 6, on a le petit ré, là, la mini-note de ré. Voilà, qu'on joue avec le doigt numéro 2. La note de basse tombe bien sous la note de mi qui suit. Ah bah, voilà. Là, ça va changer. Mesure 7, ça change un peu. On va avoir, donc mesure 7, mélodie, note de do, basse, note de la, ça tombe en même temps. Sur un doigt numéro 3, ça nous fait faire un petit tic, doigt numéro 3, on va casser comme ceci. On passe de 3 à 3 comme ceci, ça fait un petit mouvement de main. Donc ça fait do, ré, mi à la mélodie, 3, 4, 5, pour aller sur la note de fa à la main gauche. Et après 2, 3, 4, 3, 4, on est mesure 8, et après on arrive, mesure 8, note de ré, doigt numéro 3, bon des fois je prends, les doigtés sont pas, ceux que j'exécute pendant le tuto sont pas toujours exactement les mêmes que ceux qu'on voit, les doigtés peuvent changer, vous pouvez même mettre vos propres doigtés. Je vous ai donné des doigtés génériques pour les débutants, ça vous donne un repère, bien sûr, mais vous pouvez adapter, voilà, vous pouvez parfois les improviser un peu. En tout cas, sur ce type de partition, avec ce type de mélodie, c'est pas du tout problématique. Petit point sur les doigtés, alors c'est vrai qu'il peut y avoir des doigtés très optimisés pour des morceaux de musique classique qui peuvent demander beaucoup de virtuosité. Là, on est juste sur l'interprétation d'un thème, d'une petite mélodie, sur une basse. Donc, les doigtés peuvent être un peu plus flexibles. N'oubliez pas de mettre la pédale, je le précise. À chaque changement d'accord, vous mettez un petit coup de pédale. La pédale, c'est la barre jaune que vous voyez clignoter. On arrive, mesure 8, à la fin de la mesure 8, c'est le début de la partie B, du refrain, quoi. Donc, ça va faire les doigts. 4, 5, 4, 3, ok, et on arrive, mesure 9, do à la mélodie, et puis la mineure à la basse, la à la basse. Après on arrive,
sur la base de Fa, troisième temps de la neuvième mesure, doigt numéro 4 pour Fa. Après, on arrive mesure 10, Do sous Do, ça tombe très justement, hein, c'est vraiment très carré. Et après, mélodie sous Si, passe de Sol. Ah oui, après c'est toujours pareil. Et après encore une fois, en fait, ça se répète 4 fois, le refrain se répète 4 fois. À noter que mesure 13, on a une broderie, ce qu'on appelle une broderie, sur le deuxième temps, avec le Do, Do, Ré, Do, Si, Do. Vous voyez, ça nous fait des espèces de triple croche que l'on a entre le premier Do en double croche et le Ré en double croche, Doum, Do, Do, Doum. En fait, le Ré, il est entre deux Do, donc on appelle ça une broderie. Voilà, au lieu de faire ouais, voilà, ça nous fait. Bah, une broderie, alors elle y était avant en réalité. Cette broderie, enfin elle y était avant. Elle y était avant cette broderie parce que ça faisait déjà. On avait déjà ça, sauf que là, il double un peu la broderie, il met des triples croches. Au lieu de faire. Il va faire. Voilà. Là, ça accentue vraiment l'effet de broderie. Maintenant, nous allons regarder la partie 2 pour les personnes un peu plus avancées. Mais avant cela, je vous annonce que si vous souhaitez vous améliorer en lecture de partition, par exemple, pour être capable de jouer à première vue de magnifiques morceaux comme celui-ci sur ce genre de support, eh bien, il y a ma classe de piano en ligne. Et dans ma classe de piano en ligne, eh bien, il y a un logiciel que j'ai conçu qui vous permettra eh bien, d'acquérir les automatismes solides pour pouvoir jouer en première lecture ce genre de morceau. Parce qu'évidemment, je vous explique à peu près quand placer les basses, comment jouer le morceau, mais il fait que vous allez performer pour pouvoir être capable d'enrichir rapidement votre répertoire et lire rapidement ce genre de choses, et de jouer rapidement ce genre de choses, et eh bien ça va être la façon dont vous avez préparé vos automatismes, préparé vos réflexes de lecture et vos positionnements des mains sur le piano. Et pour ça, rien de tel que un bon logiciel avec des exercices optimisé et bien nivelé. Alors, ça se base sur du défilement aléatoire, tout est nivelé, on isole les notes du haut, les notes du bas, on isole les accords, la restitution des accords, les arpèges, les gammes, les degrés, bref, tout est pris en compte. Et si vous êtes intéressé par ma classe de piano en ligne qui inclut ce logiciel, les liens sont en description. Dans cette classe de piano en ligne, il y a bien sûr des cours individualisés en visio avec moi-même. Comme ça, je pourrais vous faire des plans de travail adaptés à votre vitesse de progression, adaptés à votre niveau, adaptés à vos objectifs. Évidemment, on n'a pas tous les mêmes objectifs. Si vous souhaitez lire des partitions classiques en clé de sol et fa, il y a des exercices conçus pour ça, mais ce n'est pas les mêmes exos que pour lire ce genre de partition, ce n'est pas les mêmes exos que pour s'accompagner en chantant, ce n'est pas les mêmes exos que pour analyser, faire du jazz à haut niveau. Et donc, tout est pris en compte dans mes formations et je suis là pour vous guider en plus des centaines de vidéos qu'il y a dans ma formation, bien évidemment. Vous pourrez voilà, aussi vous former en autonomie si vous n'avez pas le temps de prendre des cours avec moi. Encore une chose, dans cette formation, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a des modules et des exercices pour travailler votre oreille relative, pour être capable à terme de jouer à l'oreille, de retrouver des mélodies à l'oreille instantanément, de composer beaucoup plus rapidement. Et c'est une méthode de l'oreille qui est basée sur les intervalles, mais aussi et surtout sur les degrés, et j'ai voilà, créé pas mal d'exercices pour l'acquisition de l'oreille par les degrés. Si vous stagnez avec la méthode des intervalles et avec Earmaster par exemple, eh bien c'est parce que vous n'êtes pas passé à l'étape du dessus, qui est l'étape des degrés. C'est un peu plus dur à trouver comme pédagogie. J'en ai fait des exercices, une formation, c'est tout chaud, c'est un prix correct. Voilà, les liens sont en description pour plus d'infos. Allez, maintenant on passe à la version pour les avancés. Ce que je vais vous encourager à faire en exercice préparatoire pour apprendre la version pour les avancés, ça va être de prendre un métronome et de jouer l'arpège à la main gauche et l'enchaînement des accords à la main gauche au métronome. L'arpège de la mineur, on va le faire comme ceci. Donc, on a notre accord de la mineur ici, on va enlever le Do, on va doubler le La, et puis on va choper le Do, l'octave au-dessus. Do, Do, Do. Et ça va être pareil pour les autres accords, ça va être le même motif. On va donc mettre son petit métronome chéri. Et on va
s'entraîner à faire ceci. Après, on passe à Fa. Après, on passe à Do, qu'on peut prendre un peu plus dans les graves parce que la mélodie descend plutôt dans les graves. Après, on fait en croche. Ça qui tourne en boucle en fait. Vous allez me dire au début il y a un petit accrochage, on prend le La vraiment grave, hein. Là je l'ai pris un peu trop haut, prenez le vraiment grave le La, parce qu'en fait le Do est un peu bas. Ce qui se passe quand la mélodie a été transposée en Do et qu'il n'y a pas de dièse et de bémol à la clé, ça fait descendre la mélodie un peu bas. Avec un peu de sens rythmique et d'agilité, en fait le Do à la première mesure, on peut le faire cohabiter avec un La un peu plus haut, c'est un peu plus mélodieux. Au début, quand vous êtes sur la première mesure, vous allez faire à la main gauche, vous allez faire uniquement ça, et en fait, le Do du dessus va être repris à la mélodie par le pouce. Vous voyez ? Au lieu de faire, là, ça fait T, là, le pouce. Après, on peut descendre avec le Fa. Et là, c'est bon, on a la place pour jouer notre arpège de Fa de cette façon. On arrive sur la mesure, donc numéro 2. Les notes vont tomber les unes sous les autres. Hein. On a des croches qui sont, voilà, qui tombent pareil que les croches que l'on va faire en arpège à la main gauche. Donc ça va nous faire pour la note de Do. Après, on va tomber sur le troisième temps, sur la note de Sol, sur l'arpège de Sol, pardon, et la note de Ré à la main droite. On va enchaîner le. Do, si, do à la mélodie, après avoir fini notre arpège. Après, vu qu'on est très grave à la mélodie, on va choper notre arpège de La mineur, très grave aussi. Et on va faire notre arpège en entier pour ensuite reprendre la mélodie Sol Do Ré. Sol Do Ré, Mi à la mélodie, arpège de Fa majeur à la main gauche. On fait notre arpège en entier et après on enchaîne le Mi Fa, là, les doubles croches. Il va y avoir sur la fin du quatrième temps, troisième mesure. Pour arriver ensuite, arpège de Do. On monte notre arpège de Do. Et après, on a à la mélodie le Fa Mi. Et après, quand on arrive sur le Ré à la mélodie, et bien on joue en même temps que la note de Sol à la basse, puis après on monte notre arpège. Mesure 4, enfin, ce qu'on peut remarquer avec la fin de la mesure 2, mesure 3 et mesure 4, c'est qu'en fait, on va avoir des montées d'arpège, après avec une espèce de contre-champ à la main droite qui va finir notre arpège. Je reviens à partir du Sol, fin de la mesure 2, ça va nous faire. Vous voyez, do, 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 et après, de, do. Et après, mesure 3, je monte mon arpège, et après, on a à la mélodie Sol, Do, Mi. Ça continue un peu mon arpège, quoi. Do, do, avec le Fa pareil. Do, do, vous voyez? Do, do, do. Mesure 5, on va avoir la même chose. Enfin, voilà, c'est la même chose. On le voit, mesure 6, que la mélodie change un peu. La mélodie, au lieu de faire comme dans la mesure 2, sous l'accord de Do, ça va faire tout dou dou. Mais bon, on va avoir une note sous chaque note de la, une note de mélodie sous chaque note de l'arpège. Vous voyez ?
on arrive. C'est à peu près le même motif, mais une octave au-dessus. Grosso modo, une octave au-dessus, enfin, à peu près. Hein. À la fin, on a un Do Si, hein, à la fin de la mesure 6. Et on arrive mesure 7. Voilà, c'est presque la même chose. Arrive maintenant le refrain, la partie B. Donc, on va avoir... pas vraiment une anacrouse. Cette espèce d'anacrouse avec, à la fin de la mesure 8, Do, Ré, Do, Si, sur lequel, on avait à la basse l'arpège de Sol, on le place à la fin de l'arpège de Sol, ça va nous faire comme ceci. Et après arrive le fameux. Et c'est ce motif qui se répète hein, sur 4 mesures, quoi. C'est ça. Donc, je vais vous donner des directions pour arriver à mettre en place cette coordination des mains. Il va bien sûr falloir le répéter et vous acharner. Hein. Il va pas y avoir de formule magique. Hein. Je peux pas dire, ça n'existe pas de dire un truc débloque qui vous permet de le faire. Il faut s'entraîner. C'est comme un mouvement sportif. On peut donner des indications d'entraînement pour lancer quelque chose, faire un mouvement précis. Mais après, il faut de la répétition. Hein. Il faut se prendre la tête là-dessus. Donc, vous rappelez-vous, faites au métronome votre main gauche avec des croches, on l'avait vu. D'abord avec des noirs, puis avec des croches, avec ce mouvement. Sur ces 4 accords. Et ce qui va se passer, c'est que, à la main droite, on va avoir... On va voir ça à la main droite, en tout cas mesure 9. Ce mouvement, il faut l'isoler aussi. Hein. Sans jouer à la main gauche. Déjà bien l'isoler à la main droite. Après mesure 10, on va arriver au... Ça, c'est deux mouvements. Vous isolez la mesure 9, vous isolez la mesure 10. Mesure 9, on va vraiment avoir... Vous voyez, avec le... Là, les doigtés sont un peu plus importants à prendre en compte. On va avoir 5, 1, 3, 1. Et après, au lieu d'arriver sur 5, on arrive sur 4. Pour après choper le Ré avec le 5. J'ai des mains de taille moyenne, moyenne basse, on va dire, par rapport à des mains d'homme. Ça tire un peu. Si vous avez vraiment des petites mains, il va falloir faire des. Voilà, vous n'allez pas pouvoir écarter, il va falloir faire des mouvements de poignet. Ça va être un peu plus dur pour vous. Ah, désolé. On va voir ce mouvement isolé. Alors on le fait lentement au début. Et on le répète des dizaines de fois. On essaie de pas trop le faire, sinon ça risque de nous rendre fous et rendre fou notre entourage, mais quand même, on peut y aller, quoi. Faut vraiment isoler cette mesure 9. Parce que c'est le même motif qui se répète après. Et après... Mesure 10, c'est un peu plus simple. Hein. On est vraiment sur une montée de... Montée diatonique, hein. Une gamme de Do majeur. Après, on passe de Si à Ré, mais voilà. Et pour faire passer cette mesure 9, une fois qu'on a bien isolé la main droite et la main gauche, il va se passer, c'est que pour une note jouée à la main droite sur notre montée, comme ceci, pour une note jouée, on va faire deux notes à la main gauche. Vous voyez ? Do, Do. Après arrive la note de Sol à la mélodie, je vais jouer le Mi à la main droite. Je joue le Mi à la main gauche, excusez-moi. Donc, pour une note jouée, je reviens le La à la main gauche de l'arpège de la mineure, le Do à la mélodie à la main droite, ça va faire Do, Do. Deux notes jouées sur la clé de Sol. Arrive le Mi à la main gauche, qui correspond à l'arpège de la mineure, je vais faire Sol, Do à la main droite sur ce Mi. Après va arriver le La à la main gauche
Et donc je vais faire Do, Ré à la main droite, deux notes. Va arriver le Do à la main gauche et je vais faire Do, Si à la main droite, deux notes pour une. Voilà. Et on essaye d'avoir ce schéma mathématique de proportion tête. Après, c'est le même motif qui se répète pendant 3-4 mesures. Ça tourne un peu en boucle, comme ça, tout le long. Maintenant, faisons une brève analyse harmonique. Nous avons 4 accords. La mineur, Fa, Do, Sol. Je parle peut-être à certains d'entre vous, hein, c'est les célèbres accords magiques voilà, de pop occidental à partir des années 60, on va dire. On le retrouve très souvent à partir de Let It Be, No Woman, No Cry. Alors, c'est dans un sens un peu différent pour Let It Be, No Woman, No Cry, mais grosso modo, c'est les mêmes accords, avec un peu le même sens. Nous avons ces 4 accords. Dans le cas présent, ils sont tirés de la gamme de Do majeur. Ok ? Donc l'accord numéro 1, c'est le Do, l'accord numéro 2, c'est le Ré mineur, l'accord numéro 3, Mi mineur, le numéro 4, le Fa majeur, 5, Sol majeur, 6, La mineur, 7e accord, un peu le paria, Si diminué, c'est un peu dur. Et nous, on a le numéro 6, le numéro 4, le numéro 1 et le numéro 5. Pas de numéro complémentaire. Et donc, on enchaîne accord numéro 6, accord numéro 4, accord numéro 1, accord numéro 5. Ces accords vont changer si on change de gamme, si on change de proportion. Par exemple, si j'arrive dans une gamme de Ré majeur, à l'accord numéro 1, ça va être le Ré majeur de la gamme de Ré majeur. Le numéro 5, ça va être le La majeur. Le numéro 6, ça va être le Si majeur, le Si mineur. Et le numéro 4, ça va être le Sol majeur. Donc, je peux refaire exactement le même morceau. À partir de la gamme transposée, des accords transposés, on a les mêmes effets sonores. Eh bien, je peux voilà, rejouer la même chose, la hauteur va changer, les fréquences vont changer, mais elles vont être sur les mêmes proportions. Donc ça fait vibrer un peu différemment, mais bon, voilà. Et on est sur 6, 4, 1, 5. Le morceau original est composé en gamme de La majeur. L'accord numéro 6, ça va être l'accord de Fa dièse mineur. L'accord numéro 4, ça va être l'accord de Ré majeur. L'accord numéro 1, ça va être l'accord de La majeur. Et l'accord numéro 5, ça va être l'accord de Mi majeur. Et donc ça nous donnerait ceci si je joue la mélodie avec cet enchaînement d'accords. Je le refais à l'oreille instantanément, enfin à l'oreille, pas à moitié à l'oreille et à moitié par déduction. Bon, ça on l'apprend hein, bien sûr dans mes cours et dans mes formations pour pouvoir transposer dans toutes les tonalités. Très pratique après pour accompagner des chanteurs et bien comprendre l'harmonie globale. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si vous voulez d'autres tutos de ce genre, par exemple un tuto sur le joli morceau Back to Black, eh bien je vous laisse cliquer ici.